et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. Et aujourd'hui, je vais te présenter les créations que j'ai réalisées tout au long du mois de mars. Tout simplement. On va essayer de pas trop traîner, parce qu'il y en a quand même une trentaine. 33 pour être exact. Mon âge, un peu pour longtemps. Je prends un an de plus bientôt. Bon bref, du coup, tous les bijoux que je vais te présenter, ils seront déjà disponibles sur ma boutique et tu peux retrouver le lien en barre d'infos, mais... Je dis ça, je t'ai rien faire le recharabia que, comme quoi que je me suis fait chier à tout poncer à la main parce que c'est saoulant, hein. Même moi ça me saoule. Mais bref. Donc il y a beaucoup de bijoux qui vont avoir la même tonalité, dans les mêmes tons de couleur, parce qu'avec une plaque, par exemple un Mika Shift, un Aiden Magic, bref, et bah avec une plaque de ce genre de choses, et bah je peux faire plein de bijoux. Avec les restes, avec les machins. Enfin bref, du coup, bah il y a plein de bijoux qui se. Ressemble entre guillemets quoi. Les mêmes tons de couleur, c'est tout. Voilà. J'ai pas de gâchis, alors quand il y a des restes, et bah faut que je les utilise. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai jamais pas de burke. Parce que moi j'utilise toujours tout. Pas de gâchis. Les bijoux que je vais te montrer, ils sont déjà montés, en collier ou en boucle d'oreille. Mais si tu veux que je change le montage, il n'y a pas de problème. Moi là c'est juste une, entre guillemets, une suggestion quoi. Après tu fais ce que tu veux. Si c'est un collier et que tu le préfères en porte-clés, eh ben, y a pas de problème. Je m'arrange. Dans la limite du stock disponible, hein, parce que j'ai pas un stock énorme. On fait comme on peut. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais sur ma boutique, j'ai fait une catégorie de bijoux à 2 euros. Tous les, il y a presque 300, même peut-être un peu plus de 300 bijoux à 2 euros. Juste 2 euros. Un prix rond. Du coup, bah, ici. On peut se faire plaisir facilement avec 2 euros. T'as un petit bijou à 2 euros. Du coup, tu peux en prendre plusieurs. Bon, bref, du coup, eh bien, c'est parti. Bah oui, hein, qu'est-ce que tu veux. On va pas perdre de temps, on commence tout de suite. Hein. Alors, on y va. Voilà. Alors, au mois de mars, il y a eu l'anniversaire à mon papounet. C'est mon papounet adoré. C'est le meilleur de tous les papounets. Sauf que plus il vieillit, plus il devient... nerveux. Du coup, j'ai voulu lui faire un cadeau personnalisé. Et je me suis dit, quoi de mieux que de lui faire son portrait? Ça peut être sympa. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le mettre sur une tasse? Comme ça, chaque fois qu'il prendra son café le matin, il pensera à moi. C'est cool. Et du coup, pour le représenter, eh bien, bah, j'ai fait Grincheux dans les 7 nains. Et maintenant, tout le monde l'appelle Papy Grincheux. Donc voilà la petite tasse que j'ai réalisée pour mon papounet. Et du coup maintenant il faut que j'en fasse une aussi pour ma maman, mais bon j'ai le temps, c'est au mois de juillet. Et vu que ma maman, elle était couturière, c'est son métier, depuis 40 balais, même plus que ça. Enfin, ça. Elle a toujours été dans ce métier-là, la couture. Et ben, j'aimerais bien essayer de lui faire les petites souris de Cendrillon quand elles font la robe de bal. Enfin, juste les petites souris, hein, la robe... Enfin bref, on verra d'ici là, mais je pensais que ça pouvait être une super idée. Surtout qu'elle a une phobie des souris. Parce que bon, faut dire, mon père, je l'ai quand même... représenté en un grincheux, c'est pas très valorisant. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas faire la même chose avec ma mère, quelque chose qui la valorise pas, quoi. C'est plus drôle comme ça. Donc du coup, je sais qu'elle a peur des petites souris, de tous les rongeurs, donc je trouvais ça rigolo. Parce que je suis chiante, alors je vais être chiante jusqu'au bout. Bref, voilà, c'est tout. On commence avec les boucles d'oreilles. J'ai fait plein de petites boucles d'oreilles. J'en fais pas assez souvent. En même temps, ça part pas très... C'est pas ce qui part le plus sur la boutique. Mais bref, du coup, j'avais envie de refaire des petites boucles d'oreilles. Donc, il y a 8 paires de boucles d'oreilles. Alors, c'est parti. On y go. Donc, les premières, c'est un effet marbré tout en rondeur. Les deuxièmes, c'est toujours le même marbré. En forme triangulaire. On reste dans les formes
mec avec des hexagones dans un style un peu militaire. Effet camouflage, quoi. Voilà, dans ces tons de couleur-là. Ensuite, les boucles d'oreilles suivantes, c'est inspiration sirène. C'est tout en paillettes et en translucidité. Et ensuite, les suivantes, c'est inspiration licorne. Et toujours avec plein de paillettes. Les suivantes, c'est des petites toupies. Ensuite, monter comme un chandelier avec une estampe, c'est des petites plumes. Si on reste dans les plumes, bah, j'ai une autre paire de boucles d'oreilles façon attrape-rêve. Ensuite, j'ai fait des petites théières en boucle d'oreille. Je trouvais ça mignon. Ça fait un peu vintage. Moi, j'aime bien. Ensuite, c'est des petits cornets de glace avec la glace en forme de rose. Parce que je trouvais ça plus rigolo comme ça. Ensuite, on retrouve des petits pichignons. Des champignons, oui, je sais. Mais moi, j'ai toujours dit pichignons depuis que je suis toute petite. Et pour terminer, dans les boucles d'oreilles, des hippocampes. On enchaîne avec les colliers. Et donc là, j'en ai presque une vingtaine. Non ? Bon, bref, on s'en fout. Et on commence avec le premier collier. Et c'est une petite plume. J'ai fait plein de colliers, de bijoux avec des plumes. Ce mois-ci, j'avais envie de faire des plumes. Le collier suivant, c'est encore un effet marbré, avec un petit Mickey Shift en plus. Et les petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Le collier suivant, on retrouve encore les petites plumes. En tout cas, il faut les retrouver. Elles sont un petit peu cachées, mais il y a quand même des plumes. Avec un petit effet spirale. Voilà, tout simplement. Avec les petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Des petites plumes, ben oui, bien sûr. Ensuite, le bijou suivant, c'est un peu dans un style galactique. En tout cas, les couleurs, ça fait penser à ça, mais bref, voilà. Toujours avec des petites paires de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Le bijou suivant, j'ai refait mon effet nacré que j'aime tant, que j'ai associé avec du pixel. Moi, j'appelle ça comme ça. Et encore avec des petites paires de boucles d'oreilles assorties, offertes en cadeau. Le collier suivant, c'est encore des petites plumes. Mais oui, toujours des petites plumes. Il y a plein de plumes là, c'est envahi de plumes. Et avec les boucles d'oreilles plumes, offertes en cadeau. Le collier suivant, c'est un petit dôme façon spirale. Voilà. Tout con, tout simplement. Avec des petites paires de boucles d'oreilles toupies en cadeau.
avec les restes d'un idol magic. Qu'on va voir juste après. Enfin bref. Du coup, bah voilà. Avec les petites paires de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Et ce petit bijou-là, il est réversible. Et ça, c'est plutôt cool. Le collier suivant, c'est tout en violet. Que du violet. Voilà, bref. Avec les boucles d'oreilles assorties, offertes en cadeau. C'est toujours la même chanson. Le collier suivant, c'est avec des arabesques, un peu dans un style oriental, dans les tons jaune-orangé, associé à du bronze. Ensuite, sur un chandelier ethnique, eh bien, j'ai mon Idol Magic que je parlais tout à l'heure, avec des petits papillons et des petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau, en papillons. Un petit Mika Shift tout simple en dégradé parce que j'adore le Mika Shift, c'est une de mes techniques préférées avec l'Idol Magic. Bref, voilà, tout en bleu avec des boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Sur un bijou différent d'habitude, en tout cas la forme, j'ai voulu essayer quelque chose d'autre. Voilà, tout en rose, avec plein de fleurs. Donc voici le avant-dernier, en sautoir, tout en long, comme une grande goutte. Inspiration les cornes aussi, ça va avec le reste, les autres bijoux que j'avais fait. Les deux autres c'est pareil, c'est inspiration licorne des mers, donc il y a celui-ci. Et de l'autre côté c'est un effet Mika Shift en acré. Et les petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Termine avec le dernier que j'aime vraiment très particulièrement, je l'aime beaucoup celui-ci, pareil, licorne des mers, moi j'ai appelé ça comme ça, licorne des mers, parce que c'est un mélange entre licorne et sirène, c'est la collection licorne des mers, voilà, faut pas chercher plus loin, et petite boucle d'oreille assortie offerte en cadeau. Thank you.
Et on termine avec la dernière collection, du coup, c'est ce que je disais. J'en avais parlé le mois dernier, j'avais dit que chaque mois, j'essaierais de réaliser une petite collection par rapport à un Disney. Le mois dernier, j'avais fait La Belle et la Bête, et ce mois-ci, je m'étais lancé le défi de faire sur le thème de Ariel la petite sirène. Et bah, j'ai réalisé 4 petits bijoux, juste 4, j'ai pas le temps d'en faire plus, sur le thème de Ariel la petite sirène. Et d'ailleurs, j'en profite, le mois prochain, quel genre de thème Disney tu voudrais que j'aborde ? Si je peux, hein, parce que je suis pas une experte, hein, je fais de mon mieux. C'est tout. Enfin bref, là tout de suite, c'est Ariel la petite sirène. Et le premier, c'est un petit camé avec... comment j'ai dit ? Et le premier, c'est un petit camé avec un fond marin. Et forcément, Ariel la petite sirène qui est sur son rocher. Ensuite, toujours la fameuse Ariel sur une petite fourchette. Une autre Ariel, toute simple. Voilà. J'en sens plus simple, pareil. Et les petites paires... Et pour terminer, les petites paires de boucles d'oreilles avec Polochon et Sébastien. Voilà. Et du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà. Ça y est, j'ai fait tout le tour. Donc si jamais t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir. Parce que si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Il n'y a pas de souci. Tu peux compter sur moi. Faut juste être un peu patient. C'est tout. Si jamais tu veux des bijoux personnalisés, ça aussi, c'est pareil. Bah, dis-le moi, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai fait tout le tour des créations que j'avais à te présenter. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près, plus ou moins. À chaque fois j'en oublie, puis c'est pas grave. Il n'y a rien d'important de toute façon. Et puis bah voilà. Donc c'est tout. Non, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire, comme d'habitude, et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Faut juste être patient, mais il n'y a pas de souci. Je te répondrai. Je vais pas me relancer si je suis trop longue. Hein. Si je mets 3, 4, 5 jours à répondre, parfois ça peut. J'ai un peu une mémoire de poisson rouge, hein, donc il faut pas hésiter à me relancer. Hein. Non, pas le jour même, hein. Attends quand même, me harcèle pas non plus, mais ouais, y a pas de soucis quoi, hein, voilà, bref, du coup c'est le moment de couper court à cette vidéo, alors moi je te fais tout plein de gros poutous, et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, bye.